Et ben voilà, nous revoilà pour une petite session Evil Within, partie 2, si je dirais. Alors, bah continuez, hein, logique. Bon, j'ai eu des bons conseils d'un certain Steins Aperture. Donc, je vais faire ce qu'il faut. On va commencer par augmenter des aptitudes, quoi, parce que... Apparemment, le jeu... fait vivre ses arcs de compétences, donc... Il faut y aller. Ah non, c'est vrai, j'en étais là, oui, exactement. Allez hop, la chaise de la torture. Alors, temps de sprint. Ah, ça je peux pas l'augmenter. Ça commence bien, tiens. Point nécessaire, 3000. Ah oui, forcément. Attaque au corps à corps. Qui m'a dit de me battre. Je peux pas non plus 2000. En fait, je peux rien pour l'instant. Munitions. De toute façon, c'est pas trop le délire. Ça va être... Ouais, bon, on va attendre. Hein. Ce 6600, on n'a rien. Alors, c'est plus tard. Ok, se calme, la réceptionniste. C'est le miroir, c'est le miroir. Je vois la lumière au bout du tunnel. Ah, c'est cool de la musique. Non, non, ça ne fout pas les jetons. Pas pour l'instant. On croit que les balades nocturnes, le milieu de nulle part. Oh, une ombre! RB. Oh. Ok. Mais il m'a rien fait, pourquoi faut que je l'attaque? Ça se trouve, c'était un gentil, je viens de tuer un gentil. C'est moi le pourri dans l'histoire. Ok, donc il n'y a rien et on fait un plan, un cadrage, sur rien. Il n'y a rien derrière cette fenêtre qu'on ne peut pas franchir. Donc le gars, il toque à une porte, c'est un cabanon vide. Ok. Si on peut le franchir peut-être en sautant. Allez. Je sais pas s'il y a un bouton de saut, je sais pas. Ah, si, il y a. Ok. C'est pas un vrai bouton de saut, c'est un... c'est de l'action contextuelle, mais masqué. Ok, bon. C'est où là? C'est... Ah, mais j'ai oublié mes marshmallows! Faire griller au coin du feu. Elles ont un petit peu besoin de... Voilà. D'être dégrippées ces putains de portes. Ah, mais décidément, il y a des campements un peu partout. Oh, il a popé! Il a popé! Il était pas là au début. Hey, excusez-moi, vous êtes du coin? Je suis paumé et... Ah ça c'est le truc à pas dire. Continuez. Tu dis ça, mais surtout pas un inconnu quoi. Genre, je suis pas du coin, si vous voulez m'attaquer comme ça au moins, c'est cool. Oh.
Ah oui, on a toujours dit de jamais jouer avec le fil barbelé. Regardez-moi la gueule que ces mecs ont. Voilà, quoi. Ok. Quand il y a une bagarre dans un bar, qu'est-ce que tu fais? Merde, j'ai laissé tomber la bouteille. Oh. Ils étaient pas deux. Bon, ça en fait un de moins. C'est toujours ça de prix. On garde la bouteille au cas où. Dommage, elle est vide. Merde, il est là. Faut faire tout le tour de la baraque ? T'es sérieux ? Ah ah ! Allez, dis-moi qu'on peut le prendre à revers comme ça, j'ai pas envie de faire tout le tour, ça se trouve c'est pour du vent en plus. Je le sens pas, il va se retourner. Je le sens pas. J'suis trop lent. Bon. Maintenant, il n'y en a plus, là. On est cool. On est cool. Il y a des chocs à pique, là. Ah non. C'est une seringue! Ah bah tiens, Stein's Aperture. Ah ouais. Ouais, si tu veux, je peux lancer des bouteilles. Ouais, ouais. Mais j'y ai pensé, figure-toi. Puis après, je me suis dit, c'est jamais s'il faut se battre au corps à corps. Tu m'avais expliqué qu'il y avait des bouteilles qui pouvaient servir pour se battre. Alors, du coup... Et tu vois, d'ailleurs, c'est pour ça que je la garde. Parce que... c'est jamais. Ok, j'ai quand même l'impression que je tourne en rond et que là, c'était là où j'étais. Ok... Non ! Je l'ai vu trop tard ! Le seul coup, j'ai mis un fil et boum. Et non, on voit pas les messages sur le stream, parce que quand on fait le maintien du bouton Xbox Guide, et bah ça s'affiche pas. J'avais déjà fait gaffe à ça, effectivement. Non. Ah, il faut que je les rebute! Ça pouvait pas sauvegarder après! Bon. Je vais la laisser là, la bouteille, ou quoi? Non, j'attends. Si jamais... Non. Non! 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 Non, il a pas pu me voir. Oh, c'est qui m'a vu. Je fais de la merde. Mais, il est bizarre quand même, celui-là. Na! Na! Eh ben, le combo au corps à corps, c'est pas pour tout de suite. Va falloir muscler un petit peu son jeu, là. Non, parce qu'ils sont quand même vachement résistants, hein, je trouve. Le gars, tu lui fous des pichenettes, il s'en fout. Hein. T'as l'impression que tu lui chatouilles le gros orteil, quoi.
Bon. Ça joue discretos, comme tout à l'heure, c'était très très bien. Et maintenant, nous attendons que monsieur j'ai une gueule à faire frémir Frankenstein puisse avancer tout droit sans me regarder. Allez, allez, allez. Non, fais pas chier, hein. Tu te retournes pas, tu fais pas chier. Voilà. L'autre, je sais pas où il est, je m'en fous. Allez. Un de moins. Oui. Stein, s'il m'envoie un nouveau message, tu peux lancer la bouteille au visage et l'assassiner par devant. Ah oui, c'est une idée. J'y penserai peut-être. À voir. Mais là, je vais peut-être utiliser la bouteille pour le distraire, l'autre con, là. Parce que déjà, j'ai envie de voir s'ils sont bien distraits ou... Bon. Mais je vais éviter le combat au corps à corps, là, pour l'instant. Bon, même pas besoin de le distraire, au final. J'ai pris la bouteille pour rien. Bon. Munition. Là, t'as un petit truc qui crépite. Ici, j'avais ramassé la seringue. Alors là, le piège. Je me ferai pas avoir deux fois. Et donc ouais, on pouvait tourner autour. Ok. Si je faisais une recharge un petit peu. Jamais. Hein. Cas où. Cet éclair me semble très intéressant. J'allais presque croire que c'était un tipi. Et en fait, non. Ce n'est pas un tipi. Dommage. Je voulais un tipi. Ça craint un peu du boudin, là. Là, il me faudrait la bouteille, mais je ne l'ai plus. J'ai pas envie de retourner la chercher. Ah ben voilà, voilà qui éclaire tout. Ah non, c'est pas une bouteille à ramasser. Dommage. Ah ben là voilà. Et on va voir un peu. Ah non, il va pas faire chier. Ah, tu bouges. Et tu restes là. Voilà. Ne retourne pas. C'est... Lâche-moi. Lâche-moi. Ah ouais, non, mais on n'a pas droit à l'erreur, quoi. Sans blague. Je la casse moins loin. Tonton. Allez, 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 plus vite. Voilà.
Mais calme-toi! T'es mort, tu restes mort. Hein. C'est paillache. Hein. J'entends que ça grogne, mais je sais pas où. Ça a l'air d'être par là-bas. Je veux plus faire de bruit. Je veux plus en faire de bruit. Alors déjà que les jeux de Survival Horror, c'est des jeux où... t'es pas censé bouger très vite. Mais alors... si je suis censé me la jouer infiltration à chaque fois... je suis pas prêt de finir le jeu. Voilà, regarde le mur. Ah, il est joli le mur. Ah, il est très joli. Bon. Loupé! Ah, il a quand même un gros trou dans la tête, mais ça va. Ouais, bon. Là, c'est ce qui s'appelle loupé, quoi. Non, non, je ne vais pas le brûler. C'est bien, si tu sais, je vais... RB, désamorcer... Ah bon, il y a un piège à loup? Où ça? Ah, ouais! Merci l'action contextuelle, parce que je l'avais pas vu. Ah ah ah! Ah non plus, tu l'avais pas vu! Ah 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 ah! Ah merde! Tiens! Ah! Casse-toi! Ah, je me moque de lui. Oh, wow, 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 wow. Alors là, c'est très plantafin. J'ai vu quelque chose. Il est où le piège? La source du piège. Là. Merde. Oui, c'est ça. Maintenir. Maintenir. Si t'appuies sur le bouton A, mais tu le lâches, ça ne marche pas. Eh ben, ça promet! Je vois encore un piège. Je fais pas assez attention, parce que je sens qu'il va y avoir encore un truc. Oh, 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 oh. Calme-toi, Coco Wimbo. Bien entendu, je vais vouloir l'avoir. Il va se retourner. Il marche dans les cendres. Enfin, dans les flammes, je dirais même. Alors, ouais. Tu devrais plus visiter les maisons pour trouver des cellules de cerveau. Mais oui, mais écoute, si je m'amuse à visiter toutes les baraques, j'en ai pour 3 heures. Et puis, où est l'intérêt s'il n'y a pas de challenge? Bon, là, je vais me faire avoir. Clairement. Puis, je ne suis pas en Akumu, comme tu m'as dit que c'était le mode hard. Cool. Donc, ça va. Je survivrai. Je sais plus où il est l'autre. Il était là.
Allez, allez. Je peux l'avoir, je peux l'avoir, je peux l'avoir, je peux l'avoir. Et Pims ? Les cadavres qui ont du mal à rester morts, j'ai l'impression, quand même. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à visiter. Moi, je veux bien visiter, Steins. Là ? Pas grand-chose, quoi. À part des pièges... et des saloperies dedans. Hop, 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 pony ! Le cap dans le noir. Oh, je t'avais pas vu. Ah bah bravo, tiens. Soigne-toi. Ah, c'est gentil ça comme message. Au moment où je meurs, soigne-toi. Ah, tu es très fort. Je ne sais pas que dire. Je regarde ton message, ça me fait relever mon perso. Et le gars il me dit soigne-toi. Ah, pas de problème. Voilà, ah là je recommence là. Ah bah bravo. Pourquoi d'abord je devrais me soigner, non? Envie de mourir. Bon. Ah oui, c'est un... Non, 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 là, attends une seconde. Hop! Groupe d'amis! Bah moi, je veux bien. Ce serait peut-être plus pratique que par message. Attends une seconde, je fais ça. Invite. Voilà. Oui, d'accord, monsieur. Très, très bien. Ah, voilà. Come on, join in. Join the fucking party. Ah oui, mais tu vois, apparemment, ta connexion, elle suit pas. La connexion ne suit pas. Je reboot Mako. Ok. À tout de suite. Quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai changé de chemin. Là. Ok, alors lui, Monsieur Torchumen. J'ai envie de lui arracher le bâton des mains et de lui planter dans le cul. C'est sûr qu'il y a un succès pour en avoir buté je sais pas combien en stealth. Bah tiens. Silent kill. C'est marrant, au moment où j'en parle, 5 ennemis tués d'affilée furtivement sans se faire repérer. Voilà. C'est comique. Oh, quelle belle... Quelle belle entrée, quel beau salon, quel beau foyer. Et là c'est pour se cacher, sauf qu'il n'y a rien à fuir. J'avais oublié qu'on peut casser des choses. Fragment de carte. Ouais. Moi ça me va. Ah, plein. J'ai plein de seringues. Oh, il m'avait dit de me soigner, le Cocorimbo. On va voir comment on fait pour soigner ici. C'est une bonne question, ça. Est-ce que c'est dans Didacti? Non. Certainement pas. Archive, consulter... Non. Je sais plus. C'est bien, ça.
Comment on se soigne? Bon. Ah, d'accord. La flèche, peut-être, non? Ah, bah voilà. Seringue. Voilà. J'avoue qu'effectivement, je crèverai moins vite et je marche un peu plus vite aussi. C'est merveilleux. Ah donc là, en fait, je suis venu, mais c'est une impasse. Ok. Bah viens! On est deux à avoir une torche. Oh regardez-moi ça! Oh il est beau le Garen! Attends, est-ce qu'on peut le brûler? Ah! Mais non, j'ai pas demandé de me brûler! Je crois que Steins arrive dans le groupe. Et ça y est, le voilà parmi nous! Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux, hein? Parfois, c'est comme ça. C'est la fête. Ah, mais... Ah, je suis con! Voilà, je te parle, forcément, je fais plus gaffe. Mais c'est pas vrai, hein? Ah bah encore heureux. Voilà. Ah, je vais juste demander de brûler. Bah oui, puisque j'étais mort par ta faute. Le piège à loup a réussi à m'avoir pour la simple et unique raison, c'est que je t'ai dit, je t'ai causé, j'ai pas fait gaffe. Alors que je le savais, ce piège à loup, je le connaissais quand même. J'ai fait juste avant. Non, 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 pas deux fois. Ouais, mais j'y suis allé. Ah, enfin, je crois que c'était ça que... Ah non, bah c'est pas là, alors. C'est pas ça. Non, j'étais allé dans un espèce de cul-de-sac, là. Il a fallu que je revienne. Ah bah oui, hein, bah ça, bravo. Seulement pour toi, du coup, tu vas t'entendre parler à double. C'est bizarre, ça va être coché, décoché. Voilà, c'est ce que je voulais faire depuis le début. Le monsieur s'explose avec le piège. Quoi? Eh ben voilà! Ça s'appelle... un coup de chance. Mais un beau, alors. Ah oui? En fait, c'était pas tout oui, à fait donc, ce que quand, je voulais. Quand tu lui exploses la tête la bouteille, tu t'accroupis et tu l'assassines par devant, ça fonctionne très bien. Ouais, mais j'ai pas pensé à m'accroupir, tu vois, j'ai pensé surtout à tirer. Réflexe bête, quoi. Bon, en même temps, il a déjà été amoché par l'explosion, je pense que ça l'a calmé, quoi. Ah, c'était le même? Ouais, il s'est relevé. Espèce de salaud s'est relevé. Oui, il y en a un autre. Non, mais je l'ai buté avant. Me semble-t-il. Attention, piège à loup.
Ouais, super, surtout si c'est dans les touffes d'herbe, alors j'ai Ouais, dans les herbes, y en a plein. vachement les voir, tiens. T'étais déjà approché des bottes de pont? Non. Mais t'aurais pu Pas vraiment. remarquer que tu peux foutre le... Bon, c'est ce que j'avais pensé, hein, mais... Après... Mais qui est à côté à 50 cm, ça fout le chose. Logique. Propagation. Donc dans cette zone, ce que je m'amuse. De foutre le feu et de tuer les trois en même temps. Ah mais attends, attends. Je suis en train de remarquer que je suis un retour en arrière. Ah, pour cette histoire. Ouais, mais on récupère du effectivement. matériel. Ouais, si on veut. Alors là, c'est l'autre qui s'était explosé, il était là. Ok. Là, je peux foutre le feu à un cadavre, mais non. Pas que ça a à foutre. Eh ben, j'aurais peut-être dû! Eh ben, j'aurais dû! Sinon, je vais essayer de le casser avant qu'on me tue! C'est tellement typique, oui, effectivement. Allez, Bows! C'est bon, j'ai gagné. Ah, ça pourrait être débile. Je confirme. Ben, l'IA, quoi. Voilà. Mais t'es un Akumu. Ah. Ah, bah ça s'appelle le manque de chance alors. Oh, Putain. regardez du cannibalisme. C'est ça. Ne vous occupez pas de moi. Bah, je pense à mon avis, il faut s'occuper de passer comme ça tranquille avec le deuxième muret. Tranquille, hein. No stress. L'ambiance est bonne, mais après, voilà, les mécaniques de gameplay sont assez basiques quand même. L'IA, bon, bah, tu viens de le faire remarquer, l'IA, c'est spécial. Comment on passe là? Courir? Non, tu rêves. Le mec, je lui fais confiance aveuglément. Faut pas que je reste ici. Je me casse. C'est pas vrai. Il a de la ressource. Notre parole. C'est quoi? Oh si si, j'ai entendu des grognements, si si. J'en suis convaincu. Ah, surtout, puis j'ai été vaincu d'avance alors comme ça. Sauvegarder la partie, mais évidemment, voyons. J'écrase tout, moi. Allez hop, pause, tapis suivant. Bon, on avance, on n'a pas assez d'essence, mais on verra bien quand même. Ouais, c'est une vieille chanson. Ah, je croyais que tu parlais Alors, ouais, mais non, c'était presque ça. Il y avait de l'idée.
Donc, on a laissé tomber les zombies de ce côté-là. Et on va casser des caisses. Parce que c'est bien de casser des caisses. Je trouve que cette caisse-là, qui me semblait plus être en métal qu'en bois, c'était du bois. Ok. Bon. On va la casser quand même. Non. La vie. Ah ouais, tu vois, les zombies me repèrent pas, mais ça veut pas dire que tout marche comme sur des roulettes. C'est bien, j'ai assez d'allumettes pour aller jusqu'au bout. Ah oui, bah tiens. Les cadavres me barrent le passage. On va les brûler plutôt que de marcher par-dessus. Juste pour gaspiller une allumette. Ça fait tellement sens. Ouais. Non, mais j'ai pas demandé à la porte de s'ouvrir toute seule. Non. Je sens pas cette connerie. Une porte qui s'ouvre toute seule, ça pue. Qu'est-ce que je disais? Un merde. Piège. Ça sent le petit boss. Petit parce que bon, la zone est pas assez grande. Peut-être pas en fait. Ah ouais, c'est ce que je vois. C'est le brouillard qui me faisait douter de cette histoire. Ok. Non, mais j'ai pas envie d'avoir des grilles. Je veux pouvoir m'évader là. Non, faut pas surtout pas flipper, les portes se ferment toutes seules, c'est bien. Je vais éviter de la jouer infiltration parce que j'ai l'impression que tout le monde sait que je suis là. C'est un bug du jeu ce que je vois ou... Ah, ça doit être un bug du jeu, les ombres qui merdouillent. Ah oui, Ah, je confirme. Et même sévèrement dégueulasse. Ok, qu'est-ce qui fait ce bruit? Non, mais je l'ai. Mais non. Tu es quoi ce guet-apens là? Infect. Oui. Bah, il y a désamorcé les pièges. Bon, c'est pareil, non? Ouais, fallait juste la voir avant. C'est ça le problème. Bon, alors je rentre là-dedans. Voilà. Moi, je sais pas, j'ai envie d'aller m'occuper de cette bombe. Comment on a faut arrêter l'aiguille? Bleu, succès, rouge, échec. Ok. C'est pas rouge, je passe, vert, je m'arrête, mais c'est pas loin. Non mais attendez, j'ai pas eu le temps de comprendre. J'ai pas eu le temps. Non, j'ai pas eu le temps de réagir. Mais non! Le bleu était dès le début, alors pas tilté quoi. Ma gueule. Le truc, il a fait le tour du cadran vite fait. Ouais, moi aussi. Mais j'y arrivais.
Ok. Là, ce coup-ci, j'ai essayé. Je vais peut-être suivre ton conseil. Peut-être. Mais j'aimerais bien la désamorcer. J'ai envie. J'ai envie de voir ce que ça fait. Cet effet de... Après, j'ai l'habitude parce que je joue à des jeux de rythme, donc désamorcer une bombe, c'est easy. Mais oui, mais faut avoir le réflexe, c'est tout. Bon, c'est pas un réflexe, c'est ce que je veux voir. C'est du timing, c'est ce que tu veux. Je joue sur les mots. Je vais l'avoir. La démo, ça compte. Et bah voilà, succès quoi. Bah ouais, à la manette quoi. Et tu crois pas que j'allais prendre la. Non mais attends, tu crois que j'allais prendre la guitare juste pour jouer une démo? Bah ouais, c'était viable. Pourquoi il y avait des caisses à l'endroit où il y avait la bombe? J'ai pas fait gaffe. C'est l'heure, mais tu t'es fait exploser parce que tu fais. Ah bah tant pis, c'est pas grave. On a Kumu peut-être, mais je t'ai dit, on n'est pas en mode super hard. Attends. Il y a de la musica. Et quand il y a de la musica... Tu vas voir quelque chose et tu vas être choqué. La bombe a failli me détecter et finalement non. Pour moi je pensais que c'était genre trop tard. Too late. Mais il y a plus de bombes ici et tu me fais aller ici, t'es fou. Bah oui, forcément, si ça détecte les bruits. Par contre, ça détecte pas les zombies. Ah, dommage. Oh, il y a des humains. RB. Me cacher sous le lait. Tu parles d'une planque. C'est vachement visible. Ah non, 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 les planques, c'est parfait. Non, j'ai bien l'impression que je suis visible. Quoi. En fait, dans l'ombre, autant les jeux d'ombre sont à chier, mais ça marche. Je sais pas, j'ai entendu une voix au loin. Je sais pas si c'est Joe, hein, mais bon. Causer en même temps. Plus du je reconnaisse quoi que ce soit. Elle a disparu. Ouais, bah écoute, je sais pas, je vais voir une impasse. Ah ouais. Fais gaffe. Ah oui. Fallait sauvegarder, voyons. Fallait repasser par le miroir. Ma tête. Ah non, mais un jeu à scénario, c'est malheureusement comme ça. Toute la différence entre les jeux à gameplay et les jeux à scénario. Tu déclenches pas le script, ça marche pas. Je ne vous avais pas vu depuis longtemps. Depuis longtemps, ça fait que... Combien de temps qu'on a sauvegardé?
arrêter les conneries. Elle est folle celle-là. Et tu sais quoi, ce point de garde, je l'ai vachement aimé. Ah ouais? Ce qui veut dire que t'es mort souvent, quoi. Non, c'est surtout que... Ah bah oui, mais en même temps, c'est le point de sauvegarde classique. Forcément. Ça aide. Merde. Je tue un zombie, je sauvegarde. Je tue un zombie, je sauvegarde. Ah ouais, ça s'appelle du cheat, ça. Ok, j'ai les cafards de la dernière fois. Ça pue. Bref, je vais tenter sans, puis j'irai bien. Si je crève. Tu sais, je suis un peu un fou. Alors, tu me dis que la suite, ça se passe en haut. Moi, je veux bien. Qui est là? Voilà. Non, ne tirez pas. Je ne suis pas comme eux. Je suis une blouse blanche. Marcelo Jiménez. Vous étiez dans l'ambulance avant l'accident, c'est ça? Oui, on l'a échappé belle. Vous n'avez pas vu les autres? Seulement mon patient, Leslie. Je l'ai vu fuir par là. N'inspire pas confiance. Mais... Voyez par vous-même. Mais pas un bruit. Ok, qu'est-ce qui m'inspire pas confiance? C'est vrai, c'est... Il me dit d'aller voir quelque part, et puis moi je vais à l'opposé. J'écoute rarement ce qu'on me dit, moi. Et c'est pour ça que je finis par me faire exploser! Voilà! Ce jeu est punitif envers ceux qui courent, en fait. Ce jeu n'aime pas les coureurs. Oui, sauf que je crois que j'ai pu de seringue. Je crois. Bah, il y en avait que deux. Attends, je suis en train de voir. Comment on fait? Non, il n'y a pas d'autre. They have nothing else. Bon, d'où je viens? Mais il y en avait que deux! Voyez par vous-même. C'est. Mais ouais, chaud. C'est fou. Elles m'ont poursuivi jusque dans le village. Moi aussi. Il y en a partout. Mais c'est pas grave. Leslie est passée par ce portail. Je mourrai. Puis je vais respawn. Seigneur. Il y en a trop pour qu'on passe en force. L'un de nous pourrait tenter de les éloigner pendant que l'autre ouvre le portail. Vous êtes le seul à être armé. J'ai des doutes. Ouais, mais la blouse blanche doit expérimenter des choses, donc la blouse blanche va aller affronter ces jeunes et fougueux zombies. Puis moi je vais le regarder. Je suis même sûr que c'est... Ah ouais? Tiens, bah on l'a une de seringue. Mais ça va, je suis pas encore mort. J'ai l'impression que ma vie a remonté bêtement là. Ah ouais, un seuil de non-retour. Rassant. Tiens, bizarrement, le Toubib se trouvait là. Et bizarrement, le... Non, mais je suis sûr que c'est un pourri, en fait. C'est lui qui m'a bloqué là pour que je vienne le voir. Tout ça, c'est calculé, c'est prémédité. Par ici, là. Hé, par ici. C'est ça, suivez-moi. Mais oui. Ben voilà. Il va juste. C'est bien, la blouse blanche se sacrifie. Alors, aveuglons monsieur...
Hein? Hein? Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ok. Hein? Ouais, j'ai eu. J'ai pas compris après qu'est-ce qui m'a blessé alors que les zombies n'ont pas d'armes. Je l'ai pas vu. Ah ouais. Ah, il est comme ça, le gars, quoi. C'est un zombie, mais il a un flingue. Ça, ça redéfinit le code du zombie, là. Sa torche. Ouais, ouais. Ok. Ah ouais. C'est encore une meilleure option. Je préfère me crocher. Bon. Pour moi, on est super visible, mais enfin, c'est juste comme ça au niveau de la cachette. Bah oui, mais je sais très bien que c'est un pourri. Je veux dire, le gars se trouve à côté d'un mécanisme pour ouvrir et fermer les portes, et bizarrement, quand je me suis approché, les portes se sont fermées. Je trouve ça quand même chelou que les portes se soient fermées. Pour moi, c'était un piège, et c'est Monsieur Blouse Blanche qui m'a piégé. C'est... les... Script bidon! Faut que je m'approche pour qu'il pop. Ouais, sauf que là, il vient plus, quoi. Ah non, attends. J'ai pas ouvert la porte. J'ai compris, j'ai compris. Quand je suis mort, après, la cinématique, elle s'est annulée, forcément. Je rouvre ça. Non. Ah non, c'est fait. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais. J'ai fait bugger le jeu. Alléluia. Attends. Je crois avoir compris et ça me plaît pas du tout ce que je viens de comprendre. Je crois qu'il faut que je retourne par là. Non. Oh, il y a la musique. Il me semble qu'elle a été coupée après. Bon. Dans le doute, on va retourner par là. Quelque chose ne va pas. Vous n'avez pas... Non, j'y crois pas du tout. Théorie fumeuse, s'il en est. Oh, ça va, je ne serai qu'à 1h30 du jeu, ça va. Un autre miroir à côté de... Ouais, j'ai vu, mais c'est là où j'avais spawn, mais bon. Alors, je suis aveuglé par le miroir et je vois pas la porte. C'est pas mal ça. Bon. Allons dehors pour voir. Les portes sont là. C'est ouvert. Ok. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, je crois que j'ai échappé à quelques zombies. Quelques. J'ai fait bugger le jeu, mais dans le bon sens. C'est merveilleux. Pourquoi faut que tu me fasses peur comme ça?
Ah mais il y a des grognements quand même. Hein. Tu veux que je gaspille? C'est comique. Bon, voilà. Si, tiens. En v'là un qui était vivant. Mais bon. Ah, tu me dis que c'est le boss qui grogne. Ah ! Mais pourquoi ? Ça qui est beau, tu vois ? Ça s'appelle faire bugger le jeu sans même s'en rendre compte. T'es passé la zone, mais simplement. Eh ouais. C'est merveilleux. Imagine, t'aurais fait ça en Akumu. Je suis sûr que t'aurais été, mais heureux. Ouais, mais te rends compte si t'avais pas eu à le faire. Paf. Pourquoi faut que tu m'aides à ce point? J'avais envie de mourir encore et encore. Alors en fait, t'as envie de me faire souffrir. Merde, faut que je me planque. Vas-y, tiens. Essaye, il est vivant. Ouais, moi je conseillerais plutôt de mourir de nouveau. Ah mais là, attends, je vois des zombies à côté du gars hein, au snipe. Là. Oui, non mais il faut passer par derrière pour aller avoir... Bon alors du coup, je fais quoi là quand je vais respawn? Ah, explique-moi. Ouais, en gros, ce que je comptais faire depuis le début, quoi. C'est bien, t'es en train de me dire que j'ai pas à craindre ce con. Mais j'ai pas de... Ah non, mais l'action contextuelle, elle est à chier. Elle est à chier. Je t'expliquerai, bah tu verras. C'est grotesque. C'est grotesque. C'est honteux, c'est... Y'a pas de mots. J'appuie sur A au lieu de désamorcer cette putain de bombe. Vas-y, que ça me fait monter l'échelle. Mais oui, mais excuse-moi, je pensais pas que le jeu allait mal comprendre ce que je voulais faire. Ah. Oh, bravo, tiens. J'étais déjà pas assez mort. Alors, j'en suis très très loin, je pense. Il me semble que tu m'avais parlé de 14 ou 15 chapitres, alors. J'en suis qu'au troisième. Ouais, il y a des chapitres. Ouais, mais enfin bon. Vu le nombre de fois que je crève, tu sais, je pense que... Ah, j'y suis pour un moment, quoi.
Bon, cette bombe commence à me gonfler. À peu près une heure par chapitre, je pense. Bravo. Si tu la retrouves. Ah, le gars, il cherche pas loin, dis donc. Tu sais, je sais. Ouais, bah, vu qu'il y a tous les postes de l'E3, bah, chapeau. Courage pour te retrouver. À te prendre un temps. Fou. Mais il me semble que. Mais il me semble que t'avais mis 13 heures déjà. Bon, je vais pas y arriver avec cette bombe. Je vais la laisser tomber parce que. Elle me gonfle. C'est vachement important de. Tu sais que je fais le ménage régulièrement sur le JT des jeux. Je serais pas surpris de l'avoir effacé parce que ça fait longtemps. À savoir. Tu supprimes des postes ? Bah, quand ça remonte à effectivement 6 ou 8 mois, oui. Oui, quand même. Sinon, justement, revenir au début. Pourquoi ? Le gars, genre, il est surpris. Pour que ce soit plus fluide. C'est une page, oui, d'accord, mais faut que ce soit net. S'il y a 50 000 flux d'actualité, c'est plus lisible du tout. Ah, bah dis donc. Bah, désolé de te choquer, je pensais que tu le savais depuis longtemps. Il me semble. Après, je te dis pas que je l'ai effacé. Je ne sais plus. Donc c'est que j'ai fait le ménage. Je cherche pas plus loin. Mais il me semble que t'avais mis 13 bonnes heures facile. C'est pas bien. Non mais j'ai... Et sinon, réfléchis bien, si toi tu fais pas le ménage dans tes captures, tu l'as forcément, tes dossiers de capture. Non, mais tu l'as posté dans ton profil Xbox. Ah. Yeah. Bah ouais, à moins que tu l'aies pris avec ton PC, mais je crois pas. Ton... Non. Fais donc cela. Non, je suis plutôt descendu. À une échelle. Bon, je vais aller chercher tes cellules de cerveau parce que tu m'en parles depuis tout à l'heure. Il me semble que j'en ai pas. Il me semble. Alors attends. Ton échelle à la noix. Il me semble pas que j'en ai vu avant. Ok, il y a une statue. J'aime bien les statues. C'est des sortes d'amiibo. Ah, voilà, j'ai compris pourquoi c'était important. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit que c'est important? Mais ouais! Parce que je suis pas logique!
Mais là! Non, mais c'est une honte! C'est pas possible! Pourquoi il a fait ça? Ah ouais. Seringue. Clé. Ok. Ça me sert à quoi? Pas compris. Impossible. Moi qui étais curieux, je me suis dit, bah tiens, il y avoir des choses et tout. Bah non. Ouais. Failli éternuer. C'est passé. Le gars, il voulait m'entendre éternuer. Pas si sûr. Je pensais pas que la réalité augmentée marchait dans ce sens-là. D'abord, ça n'existe pas dans Evil Within. Bon, je voulais aller là, moi. Seulement, on m'en empêche. La question, c'est pourquoi. Mais là, je veux là où il y a des bruits. Il y a un boss qui m'appelle. Ah, mais... Ah ouais, mais alors pourquoi on peut descendre là si ça sert à rien? Et à récupérer deux objets. Eh bien, tu me dis au moins qu'il y a une issue de secours. Alors, l'échelle, tu me dis qu'il y en a une... Ah ouais, putain. Comment tu dis ça, je l'avoue. Mais si... Pris des munitions. T'en fais pas pour moi, je vais survivre. Ou je mourrai bêtement. C'est pas grave, je la looterai à la prochaine. Ils sont pas très crédibles ces cochons. Pourtant le boss m'appelle. Je prends pas compte le boss. Merde, faut que je me planque. Ouais, mais il est pas drôle le sniper quoi. Faut vraiment que je le bute. Ah ouais? Ah ouais. J'ai pas entendu la bombe. J'ai pas entendu faire tic-tac. Ah non, je voulais passer par la fenêtre, mais on peut pas passer par la fenêtre. Bon, alors, tu me dis qu'il y a un passage derrière la grange. Moi, je veux bien. Ah, le voilà. Aïe, 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 aïe. Saleté. Bombe de merde. Hein. Il me semble que j'étais... Mais plus tu me préviens du danger, plus je me fonce une tête baissée, quoi. C'est genre, oh, du danger, vite. Non mais, si t'avais vu le premier stream, je ne vois pas les portes, je ne vois pas les échelles, alors... Voir des bombes qui clignotent, non mais sérieux. Mais pourquoi? Parce...
Ah non, mais t'inquiète, hein, je vois, mais je fais pas attention. C'est ça. Je ne fais pas attention. C'est tout aussi con que ça. Ouais, enfin, si je crève pas de je sais pas combien de manières avec ces bombes à la noix, quoi. Mais j'ai pas que ça à foutre, moi, de sauvegarder toutes les 3 secondes. T'en rends pas compte. Mais c'est pas la même chose. Dans Resident Evil 4... Attends qu'à faire, et puis mon état civil, tout quoi. Tout. Bah non, comme dans le jeu quoi, un coup de seringue et puis voilà, t'es soigné. Eh ouais, je joue à l'aveugle. Peut-être qu'en fait je joue sans. Sur la gauche, il y a un passage. Pas sérieux. Ouais, admettons. Ouais, bah écoute, tu sais, je passe par là où je... Sérieux. Hop là. Oui, bah écoute, j'ai essayé de récupérer tous les items et je vais sauvegarder après, parce que bon... Juste pour sauvegarder pour les items, parce que là, franchement... Me retaper tout ça à chaque fois, c'est juste relou, quoi. Je devrais même aller désamorcer l'autre bombe. Hein, tu crois quoi? Que je devrais désamorcer l'autre bombe? Direct, comme ça au moins si je crève, au moins... Ouais, pour sauvegarder, déjà rappelle-moi... Wow! Ah oui, moi je regarde pas, mais toi par contre, tu veilles. Hein. Ah, c'est vrai, effectivement, chez toi, il est bien plus tard. Bon, la sauvegarde, c'est par où? C'est où la sauvegarde, déjà? Sérieux? C'était là, la porte. Voilà. Et une hache. Hop, merci. Et c'était là pourtant. Non? Non? Ah ouais. Bah tu vois. Je sais pas pourquoi j'étais focalisé sur cette porte. Ah non. Ah non! Non! Cauchemar! Je crois. Crève. Du moins un, ça c'est sûr. Bon, bah c'est bien, je vais aller sauvegarder, mais il y a des zombies. C'est chouette. Non, c'est pas génial, c'est juste con, quoi. C'est ça. Comme ça, après, il va me popper juste devant la gueule. Je vais être bien content. J'ai bien content, mais... Ah bah ça, Coro... Bon, du coup, j'ai deux emplacements de sauvegarde. Ah bah non. Logique. Ça empêche la sauvegarde parce que le lieu n'est pas sécurisé. Vous n'avez pas bonne mine.
Alors, vous devriez prendre mieux il y avait un miroir ici. I think. No. Maybe. Le têtu, tu sais. J'ai que 3600, qu'est-ce que tu veux que j'améliore? J'ai eu tout à l'heure déjà, c'était 2000 et quelques. Alors, aptitude, jauge de vie, non. Augmenter, si, la jauge de vie, c'est pas mal ça. Attaque au corps à corps. Non plus. Ah du coup, résume-moi, qu'est-ce que j'augmente là maintenant tout de suite. Multiplicateur de dégâts. Genre de conneries. Allez, on voit. Bon, ouais. Bon, la prochaine fois, alors. Re-sauvegard. Tant qu'à faire, je vais pas la refaire celle-là. Après aussi, ce qui est pratique, c'est mieux aussi sur le critique. A voir. Non, 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 je bloque la porte, tu rentreras pas. Ah, un enfoiré. Ah, il m'a mis une claque. Ouais. On va faire ça, tiens. Ouais, mais je le sens. Je le sens que ça marchera pas, la patate de forain n'y sera pas. Non, la patate, en fait, tout ce qu'il faut, tu peux pas faire du coup d'affiné en attendant. Que il va se. Il va revenir. En fait, tu me frappes et du coup, j'arrive. Je le savais que ça allait me jouer des tours d'aller sauvegarder. Après, forcément, les bots, ils ont le temps de se réorganiser. Et une occasion. Mais oui, mais un seul peut changer le destin de l'humanité. Alors, il est là? Il est où? Sympa. Tu viens de chercher ça sur Internet? Ah ouais. C'est sympa ça, un boss qui pop pas. Ouais, mais la torche. C'est ça que je voulais utiliser. Non, mais je sais, mais je voulais utiliser la torche. Surtout. Si, je crois que j'ai 3 allumettes. Si j'arrive bien à lire. Bah non, tu vois bien, c'est de la merde. J'ai pas de patate de forain là. Ah ouais, au bout de 15 ans. J'ai essayé tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai arrêté. Hein. Oh non! Oh non! C'est tellement injuste! Déjà, il tombe pas. Déjà. De deux, t'as bien vu, quoi. Ah, c'est choquant. Ouais, c'est plutôt ça que j'aurais dû. C'est plutôt ça que j'aurais dû améliorer plutôt que l'arme. Parce que l'arme, les munitions. Ouais, général, n'a rien, quoi. Ouais, quelque chose me dit que vu comment je gâche les balles, si, si, je vais en faire du corps à corps. Si, ouais, si. Ouais,
C'est une excellente question. Si, en fait, je crois qu'il y en a dans la baraque, mais... J'espère être... Ça y est. J'en ai une. Tiens, mange ça. Voilà. Coup de couteau dans la glotte. Foiré. Succès. Ennemi tué furtivement après l'avoir frappé avec une bouteille. Ouais. J'avais une torche, moi. Je veux l'avoir. Alors, il y a le sniper qui est là-bas au fond. Ça craint des gains. Bah, à peu près ça. Pas la dernière fois, mais... Ouais, effectivement. Pas mal, 10 spectateurs. Et classe pour quelqu'un qui fait que de la merde. Et qui stream en 360p. Alors, le Snoops, il va faire quoi, là? Attends. Essayer de l'avoir comme ça. Non. J'aime bien passer en frontal. Non, t'arrives à m'en dissuader au moment où j'étais là, prêt à prendre mon courage à quatre mains. J'ai eu du premier coup. Ah non, on peut pas les casser celles-là. Dommage. Oui. Alors attends. Ça c'est... c'est où pour descendre pour les... J'ai vu que j'avais une seringue. Voilà. C'est là bon. En termes de vie, là, ça a abusé. Quoi ? Je l'ai pas vu dans l'ombre, lui ! Tiens. Surtout. Ah, te relève pas. Surtout. Te relève. Mais c'est ce que j'ai fait. Enfin, j'ai tabassé, puis j'ai mis le feu. Ah ouais. Dieu. Ah! Ah non, c'est une honte! Non, c'est une honte! Remboursé! Ah! C'est affreux. Ah ouais? Pourquoi je me le suis pris en pleine gueule alors? Bah, mais en gros, mais. Ouais, d'accord. Je crois que j'ai oublié en fait ce piège là, je vais le laisser tranquille. Non, ce qui est intérieur, c'est important. Je vais mourir 50 fois. Non, pas ouvrir la porte, je suis con, c'était l'effet de surprise. Non, mais non, t'as pas le droit de me foutre une claque comme ça, t'as pas le droit. Tiens. Crève. Putain. Il m'oblige à me foutre un coup de seringue, c'est incroyable.
si, j'en ai besoin de toute façon. J'ai gâché ma vie, ouais, surtout. Merde, faut que je me planque. Non, j'ai remarqué surtout que j'étais beaucoup trop dans le rouge en fait pour remarquer ce genre de conneries. Ah, vas-y, tiens, de toute façon, voilà, parce que ça, je l'ai encore plus que gâché ma vie, je suis encore mort. J'en peux plus de tes bombes, je n'en peux plus de tes putains de bombes. C'est un jeu de déminage, on est sur le démineur, ça y est, j'ai compris. C'est pas Evil Within, c'est le putain de démineur de Windows 95. Ah, j'en peux plus. J'en peux plus de ton jeu. Me tue. Sur Halo, c'est un FPS que l'on joue depuis je sais pas combien d'années. C'est un peu logique. Butant comme ça. Faut gaspiller une bouteille. Putain, j'ai pas ce réflexe de me baisser en fait. Je pense qu'on peut assassiner sans. Ouais, mais même. Je... Ouais, forcément. Bon, allez. T'as des amorces ou pas, cette bombe à la con? Oh non, j'ai passé à côté, c'est bon, j'en peux. J'ai déjà ton autre coffre à la noix. Non, ça va, j'en ai marre de mourir. C'est pas toi qui meurs toutes les 3 secondes. Déjà que je me prends des putains de pièges à loup, qu'à chaque fois je me les prends. Les autres qui étaient derrière, je les vois pas, ils sont plus là. Bon, là je vais mourir combien de fois là? Ouvrir complètement un coffre pour en relever le contenu. Si le coffre est piégé, ouvrez-le. Mais... Bon, je sais pas comment j'ai réussi mon compte, hein, mais apparemment j'ai désamorcé ce piège là déjà. Ouais. J'ai fait un peu au pif, hein, mais ça a marché. Je vais encore crever. Putain! Coup de bol. Bon, ça y est, y'a plus que le sniper. Non, c'est vrai, il faut faire le sniper. Ouais, je vais faire le sniper d'abord. J'en peux plus, hein. Mais si. Je m'en suis souvenu. Non, mais le piège à loup, c'était quelque chose. Ok, mais bon. Pour les zombies, je me souvenais qu'ils étaient là. Et lui, je sais pas pourquoi. J'aimerais bien avoir une bouteille, mais j'en ai pas. Ah, si. Ne me coupe pas. Oh non, non, non. Non, mais c'est pas juste. C'est pas juste. D'habitude, il ralentit. Et là, non. Ah, j'en peux plus. Ça y est, je craque. Dernier essai. Si je crève, j'arrête tout. Eh oui, d'habitude il ralentit, voyons. Ah, si, je t'écoute, mais qu'à moitié. Non, mais cette zone est tellement déminée, tu vas mourir. C'est
Ouais, mais je m'en dégoûte déjà, quoi. Trop de bombes, trop de... Ouais, je suis en train de craquer. Sache-le. Oh, allez! Oh, j'en peux plus. Non, j'en peux plus. Et c'est clair, je fais que de la merde parce que j'en peux plus. Ah, pour toi, peut-être. Oh, nous, il est que 16h. Non, même pas, tout à fait. 3h30. Je veux une bouteille. Je veux une bouteille. Donnez-moi de l'alcool qu'on en finisse. Oh non, j'ai défoncé la mauvaise porte. Tiens. Baisser. C'est très con pour assassiner. On devrait pouvoir assassiner normalement sans se baisser. Ça, je... Mais non, tu sais très bien que c'est débile, ne maintiens pas le contraire. C'est juste trop con. C'est vu. Le piège à loup. Il est là. Là. La bombe. Ouais. Le premier qui m'a touché l'eau avant de tirer. C'est une idée. Ou le flambeau d'abord et l'allumette après. Non. Ça marche pas ton idée. J'ai pas eu la... Ou plus simple. Beaucoup plus simple. Voilà. Ah, j'ai une nade. Motherfucker. Bon, je vais faire quelque chose que je déteste faire parce que c'est très relou. Donc il y a le sniper qui va me faire chier encore. Non, même pas. Pas qu'il m'oublie après tout, j'avoue. C'est pas plus mal. En tout cas, j'ai pas de nouvelles de Monsieur Blouse Blanche. Il a disparu. Je sais pas où. Je vous attendais. Oui, voilà. Oui, bah évidemment. Sauvegarder. Non, pas annuler. Accepter. Voilà. Comme ça, plus jamais je redésamorce ces deux bombes à la con. Bah j'espère bien, parce que si ça se profile encore plus dans le jeu, je vais péter un plomb. Bon, maintenant, monsieur Sniper, à nous deux. Ou presque. Mais paraît-il, tu n'es pas tout seul. Non, ça se casse pas. Pas de piège ici. Oh bah dis donc, depuis le temps. Ça va, tu dors pas quoi. Il me semble que ça avait fait 13 ou 15 heures. Ouais, mais c'est mon écrou.
Il y a une vitre qui a pété, mais je ne sais pas pourquoi. Ah ! Sinon, on verra bien. Wow, 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 wow. Oh bah oui. Oh bah ça, c'est sûr. Ouais, parce que j'ai vu, oui. Tu peux pas le tabasser? Mais tu vas voir, toi! Ah! Tu vas t'en prendre une! Viens! Viens, c'est un homme! Foiré! Tu vas lui pas gaspiller de balles, j'en gaspille plus une seule! Bon, je sais pas quoi faire, mais je suis pas le roi de la castagne sur ce jeu. Ouais, j'ai cru voir qu'il avait activé quelque chose, mais j'ai pas vu le piège en lui-même. J'ai vu qu'il avait activé une manette. Artisanal donc. Bouteille. Ça. Merde. Ma vie. Je me casse. Ouais. Forcément, tu peux plus suivre. Non. Je vois pas ce qu'il active en fait. Désolé. Je me suis concentré sur le zombie en lui-même. Ouais, je laisse tomber. On va arrêter là de ce son. Ça me gonfle. Ça. Non, je te jure, ça me gonfle. Je ne suis que trop mort. Non, non, je vois très clair. Je vois très clair. Je me concentre pas sur le genre de détails que tu... sur lesquels tu te concentres. C'est tout. C'est comme si tu voyais de la pluie dans GTA. Ah, mais la pluie dans GTA, on la voit. Vraiment. Puis on l'entend, d'ailleurs. Non. Désolé. Pas selon moi. Dernière et ultime tentative, si je crève j'arrête tout. Non tu vois par exemple là je les vois les cafards tu vois. Ça c'est des trucs que je vois. Sans problème. J'entends bien la musique, je... des choses que j'accepte. Mais là ton délire là en... ça doit être un film. Ça y est, ça bug. Ah bah oui, c'est normal. Bon, à un moment donné, les gens acceptent que tu crèves de temps à autre, mais bon, tu
fait que de crever, ça devient relou quoi. Tu refais tout le temps la même chose. Les gars avancent pas. Alors écoute, je regarde bien le gars ce qu'il fait. Ah ouais, ok, ouais. Ça tombe à peine. Mais là je vais pas tout de suite dans la salle. Bon bah je crois que je vais devoir utiliser le flingue. Ouais bon, j'abandonne. J'abandonne. Ok, bah ce sera un conseil pour la prochaine. Parce que là. Si j'arrive à atteindre toutes ces salles dont tu me promets des monts et merveilles, et pour le coup. Merde, on va pas recommencer. Une arme, dis-tu. Un pompe. Ouais, non, j'espérais un pompe et... T'as tout foutu. En tout cas, je m'effondre. Merde, j'ai pas dit pause. Bye bye Twitch. Attends. Je fais bye bye Twitch déjà. Et merci à tous les viewers qui sont restés pendant tous ces die and retry absolument infects. En mode normal, s'il vous plaît, quand même. Attention, c'est pas rien, quoi. Le gars qui voit pas les armes, qui voit pas les pièges, qui retombe sur les mêmes pièges 5 fois, ça va. Ça va. C'est-à-dire que c'est le gars, on se demande s'il joue à l'aveugle, s'il joue sans ses lunettes, je ne sais pas. Mais c'est pas grave, tout va bien. Bah, je crois, oui. Mais c'est le genre de détails, tu vois, sur lesquels je me focalise pas. Je regarde l'ennemi, mais pas le reste, tu vois. Je sais. Non, mais je vais mettre sur très clair, peut-être que je vais voir. En tout cas, tu peux dire ciao ciao aux viewers qui étaient restés jusque-là. Voilà.